Alors Aidant Attitude a lancé un programme qui s'appelle Aidant en réseau. Ce programme est destiné aux entreprises, à toutes les entreprises, spécialement les grosses entreprises, pour insuffler une dynamique au sein de l'entreprise en termes de bienveillance au sujet des aidants. Il y a 13 millions d'aidants en France aujourd'hui et il y a 51% de ces aidants qui sont des aidants collaborateurs en entreprise. Ce qu'Aidant Attitude souhaite faire, c'est créer un métier d'animateur au sein de l'entreprise pour pouvoir animer des aidants ambassadeurs qui vont eux-mêmes détecter de nouveaux aidants, et tout ceci en collaboration avec la DRH. Alors ce projet s'insère dans une économie collaborative et circulaire parce que Aidant Attitude va créer des emplois, il va mobiliser des entreprises, on va également avoir des répercussions sur les pouvoirs publics, sur les services à la personne, et on va également inclure une démarche qui va être circulaire parce qu'on va apporter au bout d'un an un certain nombre de réflexions dans l'entreprise, en faire des idées créatives ou tout simplement des idées à partir des expériences qu'on aura eues avec l'animation des aidants. Et on va pouvoir faire des propositions aussi bien au pouvoir public, mais aussi mettre en place des choses dans les entreprises. Alors les projets pour le futur, c'est de développer Aidant Attitude, c'est avoir, on a un business plan à respecter, donc on a 5 entreprises à trouver, on en a déjà 2 cette année, donc on est bien parti et j'espère que la nuit collaborative et circulaire va nous aider à le faire. En tout cas, il y avait plein d'entreprises dans la salle, je suis certain qu'elles vont adhérer au programme. Et l'année prochaine, on doit avoir 10 entreprises, donc voilà, le programme est copieux. Cette vidéo vous a plu ? Alors nous vous invitons à vous abonner à la chaîne d'Aidant Attitude. Pour cela, cliquez sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Et pour ne rien rater des prochaines parutions de la chaîne, cliquez sur la cloche. Voilà. Enfin, si vous aimez nos vidéos, cliquez sur le pouce en l'air. C'est gratuit et ça nous encourage à continuer. Merci et à très bientôt.